Salut tout le monde, ça va? Quanta gente que já está aqui hoje! Meus fiéis seguidores! Cristina, bonjour, Cristina foi a primeira que entrou. A Nelma, salut, ela é fiel. Cássia, toujours lá, n'est-ce pas? Cássia, ela é minha aluna. Júnior, salut, ça va, Júnior? Maria da Graça. Je vais très bien, Maria da Graça. E vous? Merci bien. Eliana, salut. Tânia, é a Tânia Maria Brum. Très bien, Tânia. A Giza, QFF, salut. Oui, j'adore le dicté, n'est-ce pas, Junior? Maria da Glória, Pimenta, salut. Ela é minha aluna. O Éder, salut, prof, salut, Éder. Adriene, salut. Wellington, Sônia, minha aluna, também está sempre aqui nessa. Maurício, tia de retorno, Maurício, salut, ça va? Deixa eu ver quem está entrando aqui no Instagram, gente. Pera aí, agora tem que pôr óculos, né? Aí não dá, né? A Patrícia, de Portugal, Estúdio M Barber. Silvia, salut, Alexandro, salut. Tem gente querendo aprender. Souza Salles. Quero aprender a falar francês. Très bien. Allons apprendre. Vamos aprender. A Marina, a Chade, Márcio, Alexandro, La Negra Bete, Ricardo Marques, Bocu de Jean e aqui. Aqui dá para entender, aqui já dá para ler, né? Quem mais? Deixa eu ver. Onde eu parei? Maurício, agora. Vinícius, Deise, Luiz, Maria Luísa. Tu me mamãe, je suis très occupée. Oh, mon Dieu. Je vois, tu as commencé a travailler de novo. Célia, salut, Maurício. C'est presque bonsoir. Oui, Maurício, c'est presque bonsoir. Salut, Joaquim, Luzirene, ça va? O Júnior já tá dando oi pra Sônia, hein? Gelsa, Rosângela, nossa, que demanda. O Daniel também é meu aluno, salut Daniel. Bocu de Jean, Sebastião, saludos, saludos Sebastião, Sebastião Cavanhas, tá certo assim? Emília, salut, Adizula, salut Adizula. Like, partagem, dá um like aí, compartilhe. Pameli, salut Pameli, ça va? Pameli também é minha aluna, tem nome francês também. E aí, de onde vocês estão falando? A maioria é meus alunos, tem muito aluno aqui meu, hein, hoje. Todo mundo quer fazer ditado, é? Estão dispostos? Mariluce, salut, ça va? Aqui tem a Lucie, quem mais? Expérience française entrou. Très bien, expérience française. Souza Salles, Gubran, Vinícius, beaucoup de gens, d'accord. Alors, vamos começar, meus amigos. O Rafa, Celeste. A Sônia está respondendo para o Júnior. Très bien. E em francês, que tu es très accueillant. Lídio, salut. Rosimeli, minha aluna também, salut. Maria Luísa, ela está em Santos. Hey, it's Lara. Salut, professor. Salut, Lara. Marli, Celeste, Giza, Belém do Pará, tá falando de longe, hein? A Rosimeli é fiel, é minha aluna, hein? Hey, é de Portugal, a Lara tá falando. Salut, Lara. Domingas. Très bien, Iracema. Allons commencer, allons commencer. A Lucy está dando um beijo da Inglaterra. You car. Très bien, bisous à vous aussi. O Maurício, ma première fois ici, c'est une blague. Oh, oui, mort de rire, hein? Ce n'est pas une blague. Então vamos começar a voz estilo? Então vou fazer o seguinte: eu vou ler a frase a primeira vez. Depois eu vou ditar a frase e depois eu vou escrever para vocês poderem conferir com o que vocês escreveram. Tout le monde adore de que ter. Oui. Oui, c'est vrai. Salut, Lídio. Então, ó, eu vou ler a frase uma primeira vez. Aí não se esqueça que tem
Quando a interrogação, eu aviso quando for quando a interrogação, que é o ponto de interrogação. Quando a exclamação, quando for ponto de exclamação. Ponto final. Que mais? Paragrafo. Curtir e compartilhar, né, cara? A Miriam do Distrito Federal. Merci, Emília. Então, ó. E daí eu vou repetir devagarinho para vocês. Atenção para quando tiver que fazer acordo feminino, plural, para ser composé, atenção. Então vamos começar? Olha, primeira frase, première frase, número 1. Marianne est italienne et elle est professeure. Elle est mariée avec Charles. Lui, il est français et il est pharmacien. Ils habitent à Toulouse, ils n'ont pas d'enfants. D'accord? Salut Benny, ça va? Marie-Elisabeth também, salut. D'accord. Até que horas vai a aula, Ana? Ah, Ana, acho que vai demorar uns 30 minutos, 40 no máximo, tá? Então vamos de novo, hein? Primeira frase, número 1. Vou ditar devagarinho, você sabe que eu repito, certo? E quando tiver vírgula, eu aviso também, vírgula é vírgula, hein? Então vamos lá. Marianne est italienne et elle est professeure. Je répète. Marianne est italienne et elle est professeure. Point. Marianne est italienne et elle est professeure. Point. Elle est mariée avec Charles. Elle est mariée avec Charles. Oui, je répète, Emilia. Marianne est italienne et elle est professeure. Point. Ponto, né? Continuez à la ligne, continuez na mesma linha. Elle est mariée avec Charles. Elle est mariée avec Charles. Point. Elle est mariée avec Charles. Point. Louis, virgule. Il est français et il est pharmacien. Point. Louis, virgule, il est français et il est pharmacien. Point. Ils habitent à Toulouse. Point. Ils habitent à Toulouse. Point. Ils n'ont pas d'enfants. Point final. Ils habitent à Toulouse, point. Ils n'ont pas d'enfants, point final. Vou ler mais uma vez, hein? Marianne est italienne et elle est professeure. Aí vocês podem falar assim: Marianne est italienne et elle est professeure. Elle est mariée avec Charles. Lui, il est français et il est pharmacien. Ils habitent à Toulouse. Ils n'ont pas d'enfants. Point final. Vamos lá? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Vou ver o que vocês conseguiram acertar aí. Vamos lá. Mas essa daí tá facinho, não tá não? Vamos lá. Marianne é... Ops. É italiana. Et elle est professeure. Point. Pode aumentar, né, Camila? Vocês estão conseguindo ver eles estão conseguindo ver a escrita? Não, né, Caio? Tem que escrever no comentário, né? Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Peraí. Para compartilhar. Aqui, ó. Marianne est italienne et elle est professeure. Elle. Est mariée. Avec. Charles. Lui. Il est français. Et il est.
Pharmacien. Point. Ils habitent à Toulouse. Ils n'ont pas d'enfants. Point final. Então, vamos ver se vocês conseguem ver tudo aqui. Ó. Marianne est italienne et elle est professeure. Elle est mariée avec Charles. Lui, il est français et il est pharmacien. Ils habitent à Toulouse. Ils n'ont pas d'enfants. D'accord? Très bien. Eu acho que vai ficar melhor se eu colocar para vocês aqui no... Eu vou fazer assim, eu vou escrever no comentário e compartilho na tela, que eu acho que fica melhor para vocês. Não precisa ficar abrindo e fechando a tela toda hora, né? Phrase 2. Phrase 2. Qu'est-ce qu'il y a sur les bureaux? Il y a un ordinateur, des stylos, des crayons, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Il y a un ordinateur, des stylos, des crayons, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. D'accord? Então, vou ditar agora, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Gelsi, o cara não conseguiu ler. Peraí, eu vou ditar essa, Gelsi e Marli. Eu vou ditar essa frase agora. Escreva aqui para vocês, depois eu escrevo a primeira de novo, tá bom? Para vocês poderem conferir. Então, vamos lá. Segunda frase. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Point d'interrogation. Il y a un ordinateur, virgule. Il y a un ordinateur, virgule, des stylos, virgule, des crayons, virgule. Donc, il y a un ordinateur, virgule. Des stylos, virgule, des crayons, virgule, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. Point final. Quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. Point final. Je répète, qu'est-ce qu'il y a sur les bureaux? Point d'interrogation, pardon. Il y a un ordinateur, virgule, des stylos, virgule, des crayons, virgule, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. Alors, je vais écrire ici pour vous dans la légende. Posso escrever? Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Eu vou escrever a frase inteira, que é assim: il y a un ordinateur, des stylos, des crayons, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. Donc, je vais conférer. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Il y a un ordinateur, des stylos, des crayons, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier. Voilà. T'as aqui. Vou mostrar aqui para você, para vocês. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Il y a un ordinateur, des stylos, des crayons, quelques livres et beaucoup de feuilles de papier.
C'est facile? Très facile? Ah, ok. D'accord. Ah, au Béni, j'écrivais aqui. Un crayon, quel photon est-ce, né Béni? Il fait, c'est comme ça, un feuille de papier. Il y a beaucoup de. Gente, ó, dica, beaucoup de sempre é sem S, mesmo que a palavra na sequência esteja com S, tá? Très bien. Agora, deixa eu colocar aqui para vocês a primeira frase. Marianne é italiana, porque teve gente que não conseguiu ler, né? E ela é professora. Elle est mariée avec Charles. Lui, il est français. Et il est pharmacien. Ils habitent à Toulouse. Ils n'ont pas d'enfants. Marianne est italienne, elle est professeure. Voilà. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa é a primeira frase para quem não conseguiu ler, tá? Sim, o EK. Feio. Folhas. Pode tanto ser folha de papel quanto folha de árvore, tá? D'accord? Vamos para mais uma? La prochaine. Trois, numéro trois. Tu sais où sont mes clés? Je ne les trouve pas. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Et c'est facile, hein? Philippe, d'accord, Philippe. Tu sais où sont mes clés? Je ne les trouve pas. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Então, vamos lá. Olha, número 3. Tu sais où sont mes clés? Point d'interrogation. Tu sais où sont mes clés? Point d'interrogation. Je ne les trouve pas. Point d'exclamation. Je ne les trouve pas. Point d'exclamation. Tu sais où sont mes clés? Point d'interrogation. Je ne les trouve pas. Point d'exclamation. Paragraphe. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Então, é a resposta, né, do outro. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Point final. Salut Sylvania, ça va? Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Essa aí é facinho, né? Vamos lá? Vou escrever aqui para vocês. Tu sais où sont mes clés? Je ne les trouve pas. Aí a resposta. Tu sais. Oh, pardon. Cadê? Então, essa é a primeira parte. Tu sais où sont mes clés? Je ne les trouve pas. Aí a resposta. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Point final. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Voilà. Aí. Je pense qu'elles sont sur la table de la cuisine. Essa foi facinho, né? Certo? Très bien. Número 4. Mon amie Françoise est très amusante et sympathique. Elle a un beau sourire. Elle est grande, brune et elle a les yeux bleus. Je répète.
Mon amie Françoise est très amusante, sympathique. Elle a un beau sourire. Elle est grande, brune et elle a les yeux bleus. D'accord? Donc, là, je tape. Mon amie Françoise, não precisa escrever no comentário, não. Pode escrever numa folha, se você quiser. Daí eu vou escrever no comentário para compartilhar com vocês a frase correta. Daí você confere com o que você escreveu, tá bom? Je répète. Mon amie Françoise est très amusante et sympathique. Point. Mon amie Françoise est très amusante et sympathique. Point. Elle a un beau sourire. Point. Elle a un beau sourire. Point. Elle est grande, virgule. Elle a un beau sourire, point. Elle est grande, virgule. Brune, brune. Et elle a les yeux bleus. Elle est grande, virgule. Brune. Et elle a les yeux bleus, point. Salut Rita, tu es en retard. Vamos lá, quarta frase, quatre. Mon amie Françoise est très amusante et sympathique. Elle a un beau sourire. Elle est grande. Brune et elle a les yeux bleus. Mon amie Françoise est très amusante, sympathique, elle a un beau sourire, elle est grande, brune et elle a les yeux bleus. Voilà. Oh, mon amie Françoise est très amusante et sympathique. Donc, tem que lembrar que amusante tem que fazer acordo com o feminino, né? Elle a un beau sourire. Elle est grande, féminine, brune, féminin. Et elle a les yeux bleus, avec yes, porque y est en plural. Certo? Então, aí, vocês têm que observar todos esses detalhes aí. On ne peut pas lire la réponse. Agora tá dando para ler, Nancy? Eu tô colocando, compartilhando com vocês na tela. D'accord? Très bien. Número 5. Atenção. Essa é curtinha, mas tem uma pegadinha. Il porte une chemise blanche, un pantalon marron et des chaussures marron aussi. Il porte une chemise blanche, un pantalon marron et des chaussures marron aussi. Então vamos lá. Il porte une chemise, il porte une chemise blanche, virgule. Il porte une chemise blanche, virgule. Un pantalon marron et des chaussures marron aussi. Et des chaussures marron aussi. Point. Il porte une chemise blanche, virgule, un pantalon marron et des chaussures marron aussi. Point. D'accord, on y va. Vamos lá. Il porte une chemise blanche. Un pantalon marron et des chaussures marron aussi. Voilà. Aqui, olha.
Il porte une chemise blanche. Então, eu concordei a cor branca com camisa, porque é feminino. Une chemise blanche. Un pantalon marron. Ok. Pantalon masculin, sanglier, marron, masculin, sanglier. E de chaussures marron aussi. Agora, chaussure é feminino e está no plural. Mas, quando a gente usa a cor marrom, a gente não faz acordo nem com feminino nem com plural, tá bom? Marrom é uma exceção, porque o marrom vem da castanha marrom, que se chama marrom. Então, na verdade, você quer dizer, ah, ela tem a mesma cor da castanha marrom. Então, aí não faz acordo com marrom com nada, tá? Nem com feminino, nem com plural. D'accord? Então, lembre-se, nunca faz. O Jonester, o chaussure é comme ça, chaussure, d'accord? Oui, très bien, Leonel. Voilà. Numéro 6. Pour la fête de ce soir, j'ai ces petites chaussures rouges et ces chaussures noires chic. Lesquelles est-ce que je vais choisir? Alors, pour la fête de ce soir, j'ai ces petites chaussures rouges et ces chaussures noires chic. Lesquelles est-ce que je vais choisir? On commence. Pour la fête de ce soir, virgule, pour la fête de ce soir, virgule. J'ai ces petites chaussures rouges. Merci, Jacob. J'ai ces petites chaussures rouges. Pour la fête de ce soir, virgule, j'ai ces petites chaussures rouges et ces chaussures noires chic. Point. Et ces chaussures noires chic. Point. Lesquelles est-ce que je vais choisir? Point d'interrogation. Lesquelles est-ce que je vais choisir? Point d'interrogation. Et alors? Pour la fête de ce soir, j'ai ces petites chaussures rouges et ces chaussures noires chic. Lesquelles est-ce que je vais choisir? Point d'interrogation. Moi. Là, c'est la numéro 6. Pour la fête de ce soir, virgule, j'ai ces petites chaussures rouges. J'ai ces petites chaussures rouges et ces chaussures noires chic. Lesquelles est-ce que je vais choisir? Pour la fête ce soir, j'ai une petite chaussure rouge et ces chaussures noires chic. Voilà. Ici. Pour la fête de ce soir, j'ai ces petites chaussures rouges et ces chaussures noires chic. Lesquelles est-ce que je vais choisir? Donc, ici. Petite, porque chaussure é feminino, está no plural. Rouge, plural, porque vermelho está combinando com sapatos. E aqui, noir, que é pretos, né? Combinando, chaussure féminin, E, pluriel, S. Chique não combina. Lesquelles que je vais choisir? Então, lesquelles tá no feminino plural, né? Certo? Lesquelles, os quais, é junto, viu? Luiz, né? Eu perdi aqui o seu nome. Tandê. Eu me lembro do Lapluie, sim. Agora que eu vi a mensagem dele, eu lembro. Então, aqui é junto, tá? Lequel, os quais, seria as quais, né? Uhum. Ah, o Noir, Leonai, Noir. Felipe, pardon, Felipe, é tanta gente. Eu lembro do Lapluie, sim.
Sim. Agora, número 7. Essa aí é très curta. Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Point. Curtinha, né? Je vais acheter ce parapluie. Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Et cet étui vert. Point. Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Point. Errou muito, Nelma. Vamos lá. Ó, não chegou nem no passé composé, hein, gente? Tá chegando. Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Voilà. Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Quem não sabe, étui é estojo, tá? Je vais acheter ce parapluie et cet étui vert. Então, lembre-se, o se é masculino e o sete também é masculino. Mas aqui, parapluie começa com consoante, então eu uso este se, esse adjetivo demonstrativo se, e étui começa por vogal, então eu tenho que usar cet étui, d'accord? Não se esqueçam disso, hein? Entendi final não? Agora você entendeu, Giuseppe? Então, etuílio, né? Estojo. Sim. Très bien, Júnior. Ah, Rita também. Très bien. Depois, número 8. Pierre est en retard parce que sa voiture est tombée en panne. Il a téléphoné aux dépanneurs. Pierre est en retard parce que sa voiture est tombée en panne. Il a téléphoné aux dépanneurs. Numéro 8, Anna. Oh, j'ai dit, Pierre est en retard. Pierre est en retard parce que sa voiture est tombée en panne. Point. Parce que sa voiture est tombée en panne. Point. Il a téléphoné. Il a téléphoné aux dépanneurs. Point final. Il a téléphoné aux dépanneurs. Point. Donc, Pierre est en retard parce que sa voiture est tombée en panne. Il a téléphoné aux dépanneurs. Très bien. Vamos lá? A Maria da Graça falou assim: ah, désolé, je ne connais pas le mot étui, estojo, tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês. E, Pierre est en retard parce que sa voiture est tombée en panne. Il a téléphoné au dépanneur. Voilà. Pierre est en retard parce que sa voiture est tombée en panne. Il a téléphoné au dépanneur. Voilà. Panne comme ça, Maria Aparecida. Panne. E dépanneur, dois N's também. Panne, dépanneur.
Então, para quem não sabe, quando a gente fala é tombé en panne, la voiture est tombée en panne, o carro quebrou. E ele telefonou para o guincho, dépanneur Giuseppe, guincho. Tá? Na verdade, o dépanneur é a pessoa que dirige o guincho. O guincho é la dépanneuse. D'accord? Seria. Aqui a gente não tem um nome para isso, né? E não se esqueça que voiture féminin é tombé, tem que ser com acordo, hein, gente? Dépanneur é uma palavra nova para mim. Então, dépanneur, é. Très bien. Oi, Maria Aparecida. Dépanneur, panne, panne, dépanneur. Número 9. Essa. Vamos ver quem vai acertar. Anneau du sapin, j'accroche une grande étoile bleue. À côté, mon père place une bougie blanche. Je pose une guirlande dorée. Le Père Noël arrive cette nuit. Então, ó, essa aqui tá toda em ano presente, né? Eu vou repetir de novo, depois eu vou ditar. Anneau du sapin, j'accroche une grande étoile bleue. À côté, mon père place une bougie blanche. Je pose une guirlande dorée. Le Père Noël arrive cette nuit. Junior. Alors, anneau du sapin, virgule. Anneau du sapin, virgule. J'accroche une grande étoile bleue. J'accroche une grande étoile bleue. Point. D'accord, Mathéus, que bom. Anneau du sapin, virgule. J'accroche une grande étoile bleue. Point. À côté, virgule. Mon père place à côté, virgule, mon père place une bougie blanche, point, une bougie blanche, point. À côté, virgule, mon père place une bougie blanche, point. Je pose une guirlande dorée. Je pose une guirlande dorée. Point. Je pose une guirlande dorée. Point. Le Père Noël arrive cette nuit. Le Père Noël arrive cette nuit. Essa é maiorzinha, tá só no presente, mas tem bastante vocabulário novo, eu acho, né? Tem gente que não conhece. E aí eu vou escrever aqui e vou explicar depois para vocês o vocabulário. Vamos lá? Oniva. Anneau du sapin. J'accroche une grande étoile bleue. À côté. Mon père place une bougie blanche. Je pose une guirlande dorée. Le Père Noël arrive cette nuit. Anneau de sapin, j'accroche une grande étoile bleue. À côté, mon père place une bougie blanche. Je pose une guirlande dorée. Le Père Noël arrive cette nuit. Voilà. Então, vamos ver, ó. Quem não sabe o vocabulário? Esse aqui é vocabulário de Natal, gente, para vocês. Anneau du sapin.
no alto da árvore de Natal. Sapin é a árvore de Natal. É assim que eles chamam a árvore de Natal. Le sapin de Noël. Então, no alto da árvore, j'accroche une grande étoile bleue. Então, eu coloco, né? É que é crochê no sentido de pendurar, colocar uma grande estrela azul. Étoile féminin, bleu féminin aussi. À côté, mon père place une bougie blanche. Então, do lado, meu pai coloca uma vela branca, une bougie blanche. Je pose une guirlande dorée. Eu coloco uma guirlanda dourada. Le Père Noël arrive cette nuit. O Papai Noel chega esta noite. Então, aí tem para vocês. Entendi só um pouquinho. Oui, Nelma. Beaucoup de nouveaux mots, Giuseppe. Mot é masculin, nouveau mot. D'accord? Então, ó, sapão é árvore de Natal. Etoalhas que vocês já conhecem, bugie, não sei se todo mundo conhecia, que é a vela, guirlande dorée, c'est facile, Le Père Noël, Papai Noel, d'accord? Très bien. Alors, numéro 10. Ma famille a voyagé. Elle est allée à Saint-Malo, mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. C'est drôle. Attention, hein? Ma famille a voyagé. Elle est allée à Saint-Malo, mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. Point final. Então, vamos lá. Ma famille a voyagé. Point. Ma famille. Très bien, Léonie. Ma famille a voyagé. Point. Elle est allée à Saint-Malo, virgule. Elle est allée à Saint-Malo, virgule. Mais moi, virgule. Ma famille a voyagé, point. Elle est allée à Saint-Malo, virgule. Mais moi, virgule. Je n'ai pas pu l'accompagner. Je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. Je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. Point final. Ça va? Ma famille a voyagé, point. Elle est allée à Saint-Malo, mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. Alors, comme ça. Ma famille a voyagé. Elle est allée à Saint-Malo. À Saint-Malo. Mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. Então vamos ver. Ma famille a voyagé, elle est allée à Saint-Malo, mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner. Opa, faltou um aqui. Accompagner parce que je travaille. Voilà. Aqui, ó. Ma famille a voyagé. Elle est allée à Saint-Malo. Então, lembra, elle, feminino, estou usando o être no passé composé, tenho que fazer o acordo. Elle est allée à Saint-Malo. Mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner. Aqui o elle apostrophe quer dizer a família, né? É o objeto direct. Accompagner quoi? La famille. Je n'ai pas pu l'accompagner parce que je travaille. D'accord? Très bien. Mais uma. Número 11. Está quase acabando. São 15, hein? Número 11. La semaine dernière, elle est passée au studio pour faire la lecture du scénario avec tous les comédiens.
La semaine dernière, elle est passée au studio pour faire la lecture du scénario avec tous les comédiens. Bon. Alors, la semaine dernière, virgule, la semaine dernière, virgule, est-ce pas mais sozinha, né? La semaine dernière, virgule, elle est passée au studio. Elle est passée au studio pour faire la lecture, pour faire la lecture du scénario, pour faire la lecture du scénario avec tous les comédiens, point. Avec tous les comédiens, point. La semaine dernière, virgule, elle est passée au studio pour faire la lecture du scénario avec tous les comédiens. Point. Ça va? On va voir si vous acertez ça. Ça também não está difícil, não, hein? La semaine dernière, virgule, elle est allée au studio. Ah, pardon, elle est passée au studio, non? Elle est passée au studio pour faire la lecture du scénario. Avec tous les comédiens. Pour faire la lecture du scénario avec tous les comédiens. Voilà. La semaine dernière, elle est passée. Aqui eu passei como é feminino. Elle tem que fazer o acordo. O estudiou. Pour faire la lecture du scénario. Aqui, cenário é o texto, viu, gente? É o texto do filme ou da peça. Avec tous les comédiens, com todos os atores. Comedian também pode ser no sentido de ator, não só de comediante, tá? Voilà. Essa também não estava difícil, não, hein? Alors. Oui, Zoca. Numéro 12. Attention, une fusillade a eu lieu hier, peu après 5 heures du matin, devant les Plaza Madeleine, une boîte de nuit située boulevard de la Madeleine à Paris. Porque aí, Júnior, você está combinando o tu com o T no final é tudo ou todo, né? E o tus é todos. Aí é o plural. Por isso que tem o T, ou o T que nem você pediu aí, que é o singular, e o tus é o plural. Então, ó, de novo, já vai ler lá no número 12. Une fusillade a eu lieu hier, peu après 5 heures du matin, devant les Plaza Madeleine, une boîte de nuit située boulevard de la Madeleine à Paris. Então, aqui tem dois nomes próprios, né? Atenção. Je commence. Une fusillade a eu lieu. A eu lieu hier, virgule. Une fusillade a eu lieu hier, virgule, virgule. Peu après 5 heures du matin, virgule. Peu après 5 heures du matin, virgule. Devant les
Plaza Madeleine, virgule. Devant le Plaza Madeleine, virgule. Une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Située. Une boîte de nuit située. Boulevard de la Madeleine. Boulevard de la Madeleine à Paris. Point final. Une boîte de nuit située boulevard de la Madeleine à Paris. Point final. Vamos lá. Une fusillade. Deixa eu pôr óculos aqui para ler o que eu escrevi. Fusillade a eu lieu hier, virgule, peu après 5 heures du matin. Quem quiser pode escrever abreviado 5 horas, né? Vou pôr entre parênteses, tá? Para quem quiser escrever assim. 5 heures du matin. Virgule, devant le Plaza Madeleine, une boîte de nuit située boulevard de la Madeleine à Paris. Une fusillade hier, peu après 5 heures du matin, devant le Plaza Madeleine, une boîte de nuit située boulevard de la Madeleine à Paris. Voilà. Voilà. Une fusillade a eu lieu. Esse a eu lieu no sentido de aconteceu, tá? É a expressão avoir lieu. Você pode usar essa expressão para falar, por exemplo, se você for convidar alguém para uma festa. Então, você pode falar, le mariage va avoir lieu, né? Vai acontecer, le, e daí põe a data, põe o local. D'accord? Então, aqui o cinq heures du matin pode ser cinq heures escrito assim, ou colocar o cinq heures entre parênteses. Une boîte de nuit, boîte, une boîte féminin, située com dois E's, hein? Boulevard de la Madeleine à Paris. D'accord? On arrive à la fin. É que agora as frases estão um pouquinho mais longas, né? Número 13. Quand Nicole est arrivée au bureau, le directeur avait réuni tout le personnel. Elle avait essayé d'appeler son ami car elle savait qu'il avait programmé une longue réunion. Vamos lá, de novo. Quand Nicole est arrivée au bureau, le directeur avait réuni tout le personnel. Elle avait essayé d'appeler son ami car elle savait qu'il avait programmé une longue réunion. Je commence. Deixa eu ver. Ah, não, eu escrevi certo. Quando o Daniel escreveu aqui dois jeitos, escreveu, será que eu escrevi errado? Não, tá certo. Então vamos lá. Quand Nicole est arrivée au bureau, quand Nicole est arrivée au bureau, virgule, quand Nicole est arrivée au bureau, virgule, le directeur avait réuni tout le personnel. Le directeur avait réuni tout le personnel. Point. Le directeur avait réuni tout le personnel. Point. Elle avait essayé d'appeler son ami. Elle avait essayé d'appeler son amie, car elle savait
qu'il avait programmé une longue réunion, car elle savait qu'il avait programmé une longue réunion. Quand Nicole est arrivée au bureau, le directeur avait réuni tout le personnel, point. Elle avait essayé d'appeler son ami, car elle savait qu'il avait programmé une longue réunion. Voilà. Numéro 13. Quand Nicole est arrivée au bureau, le directeur avait réuni tout le personnel. Elle avait essayé d'appeler son ami. Agora, esse son ami aqui, como nada indica na frase se é feminino ou masculino, o amigo, eu aceito dos dois jeitos, masculino ou feminino, tá bom? Car elle savait qu'il avait programmé une longue réunion. Est arrivée au bureau, le directeur avait réuni tout le personnel, elle avait essayé d'appeler son ami car elle savait qu'il avait programmé une longue réunion. Voilà. Ah, olha aqui, ó, Adriana. Avait réuni, porque le directeur, Adriana é a terceira pessoa do singular. Então termina com T. Aqui tem acordo, não esqueçam, porque Nicole é feminina e aqui repete. Ela vai sair. Então, aí, ela, Nicole Feminin, é RV2S. Tá? Aí, aqui eu aceito feminino masculino, porque nada indica. Porque quando a gente fala sonami, se eu falar assim, sonami Marie, sonami Pierre, os dois são possíveis. D'accord? E aqui vocês têm o plus que parfait, o mais que perfeito. Avait réuni, avait programmé. D'accord? Très bien. 14. Presque la fin. Ce matin, Jean s'est levé tôt, a loué un vélo et a parcouru les rues de Paris. Il s'est arrêté dans une boulangerie où il avait longuement hésité entre un pain au chocolat, un croissant et une brioche. Il a finalement opté pour cette dernière. Donc, vamos lá. Ce matin, Jean s'est levé tôt, a loué un vélo et a parcouru les rues de Paris. Il s'est arrêté dans une boulangerie où il a longuement hésité entre un pain au chocolat, un croissant et une brioche. Il a finalement opté pour cette dernière. Donc voilà. Ce matin, virgule, Jean s'est levé tôt. Jean s'est levé tôt, virgule. A louer un vélo. Ce matin, virgule, Jean s'est levé tôt, virgule, a louer un vélo et a parcouru les rues de Paris, point. Et a parcouru les rues de Paris, point. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans une boulangerie. Il s'est arrêté dans une boulangerie où il a longuement hésité. Où il a longuement hésité entre
un pain au chocolat, virgule. Où il a longuement hésité entre un pain au chocolat, virgule, un croissant, virgule, un croissant, virgule, et une brioche, point. Et une brioche, point. Il a finalement opté pour cette dernière, point. Pour cette dernière, point. Alors, moi. Et c'est mais longue, hein? Ce matin, virgule, Jean s'est levé tôt, a loué en vélo et a parcouru les rues de Paris. Il s'est arrêté dans une boulangerie où il a longuement hésité entre un pain au chocolat, un croissant, un croissant, oh, pas faute, un espace. C'est un choix difficile. Et une brioche. Il a finalement opté pour cette dernière. Ce matin, Jean s'est levé tôt, a loué un vélo et a parcouru les rues de Paris. Il s'est arrêté dans une boulangerie. Il a longuement hésité entre un pain au chocolat, un croissant et une brioche. Très bien. Voilà la phrase. Aqui, ó. Essa não tem muito acordo, né? Mas aí vocês têm, ó, longuement, finalement. Aí tem que ver como vocês escreveram isso aí. Optei por cette dernière, que é a la brioche, né? D'accord? Tem verbo diferente, que eu acho que muita gente não conhece. Parcourir, que é percorrer, né? É aqui, pra gente não existe isso, né? Se parar, ele parou, né? Numa padaria. E ele longamente hesitou entre um pão, um chocolate, um croissant e uma brioche. D'accord? E por finir, finalement, la dernière. Essa foi difícil, Nelma? Número 15, la dernière. Pour bien comprendre ce que le professeur disait, elle faisait très attention. Mais comme toujours, à un moment donné, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire le week-end. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Alors, quelle robe elle porterait? Comment elle allait faire pour y aller? Quand elle s'est rendue compte, le signal a sonné et les cours avaient fini. Alors, de nouveau, je vais lire mais une fois. Pour bien comprendre ce que le professeur disait, elle faisait très attention, mais comme toujours, à un moment donné, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire le week-end. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Alors, quelle robe elle porterait? Comment elle allait faire pour y aller? Quand elle s'est rendue compte, le signal a sonné et les cours avaient fini. On y va. Pour bien comprendre, ce que le professeur disait, pour bien comprendre ce que le professeur disait, virgule. Pour bien comprendre ce que le professeur disait, virgule, elle faisait très attention. Mais, virgule, comme toujours, virgule. Elle faisait très attention, mais,
virgule, comme toujours, virgule. À un moment donné, virgule, elle a commencé à penser. À un moment donné, virgule, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire les week-ends. Elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire les week-ends. Point. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Point. Alors, virgule, quelle robe elle porterait? Quelle robe elle porterait? Point d'interrogation. Quelle robe elle porterait? Point d'interrogation. Comment elle allait faire pour y aller? Point d'interrogation. Je vais répéter, Emilia. Pour bien comprendre ce que les professeurs disaient, virgule, elle faisait très attention. Mais, virgule, comme toujours, virgule, à un moment donné, virgule, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire le week-end. Point. Elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire le week-end. Point. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Point. Alors, virgule, quelle robe elle porterait? Point d'interrogation. Quelle robe elle porterait? Point d'interrogation. Comment elle allait faire pour y aller? Point d'interrogation. Comment elle allait faire pour y aller? Point d'interrogation. Quand elle s'est rendue compte, virgule, le signal a sonné. Quand elle s'est rendue compte, virgule, le signal a sonné. Et le cours avait fini. Point d'exclamation. Le signal a sonné et le cours avait fini. Point d'exclamation. A Lucie falou que tá perdido. Jesus amado. Eu vou repetir devagarzinho mais uma vez, mas eu vou repetir só uma vez cada frase, tá? Porque já nossa aula já tá longa. Ó. Pour bien comprendre ce que les professeurs disaient, virgule, elle faisait très attention, mais, virgule, comme toujours, virgule, à un moment donné, virgule, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire le week-end. Point. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Point. Alors, virgule, quelle robe elle porterait? Point d'interrogation. Comment elle allait faire pour y aller? Point d'interrogation. Quand elle s'est rendue compte, virgule, le signal a sonné et les cours avaient fini. Point d'exclamation. Vamos lá. Essa é longa. Pour bien comprendre ce que les professeurs disaient. Pour bien comprendre ce que les professeurs disaient, virgule, elle faisait très attention. Mais, comme
toujours à un moment donné, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire les week-ends. Eu vou colocar essa parte para vocês conferirem. Peraí. Pour bien comprendre ce que le professeur disait, elle faisait très longtemps. Randonnée, elle a commencé à penser ce qu'elle allait faire. Vamos lá. Oh, pour bien comprendre ce que le professeur disait, elle faisait très attention, mais comme toujours, à un moment donné, elle a commencé à penser à ce qu'elle allait faire le week-end. Então, vou traduzir para vocês. Para compreender bem o que o professor dizia, ela prestava muita atenção. Faire attention é prestar atenção. Mas, como sempre, comme toujours, à un moment donné, num dado momento, ela começou a pensar a ce que ela allait faire le weekend, no que ela ia fazer no final de semana, tá? Agora eu vou escrever aqui outra parte. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Alors, quelle robe elle porterait? Comment elle allait faire pour y aller? Et quand elle s'est rendu compte, le signal a sonné et le cours avait fini. A fini. Ah, avait fini, ça va, ça marche. E agora a outra parte. Deixa eu tirar essa daqui, né? Começar por essa aqui. Aqui, ó. La fête d'Aurélie aurait lieu samedi soir. Então, a festa da Aurélie aconteceria sábado à noite. Alors, quelle robe elle porterait? Que vestido ela usaria? Comment ela allait faire pour y aller? Como que ela ia fazer para ir na festa? O ia aqui está substituindo a festa, né? Quand elle s'est rendue compte, quando ela percebeu, isso aqui é uma expressão, se rendre compte, significa perceber, notar. Le signal a sonné, o sinal tocou, e le cours avait fini. Aqui o cours tem que ser separado, hein, gente? Aqui eu escrevi junto, mas tem que ser separado. A aula tinha acabado, tá? Deixa eu arrumar esse le cours aqui, peraí. Para ficar certinho. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Eu não sei se eu consigo. Não, peraí. Vai ficar assim, ó. Ah, bom dia. Vai ficar. Le cours avait fini. É porque na hora que eu. Olá lá. Aqui, ó, tem que ser separado. Le cours avait fini. A aula tinha acabado. D'accord? Não deu para entender quase nada? Ó, eu vou pôr de novo. A festa da Aurélie aconteceria sábado à noite. Então, que vestido ela usaria? Porter une robe, porter un chapeau, porter des lunettes. O verbo porter a gente usa para roupa, alguma coisa que você está usando em você. Como ela allait faire pour y aller? Como que ela ia fazer para ir na festa? É porque essa frase aqui já é para um francês mais avançadinho, assim, tipo final de básico, né?
Quando ela percebeu que, ao se rendre compte, o sinal tinha tocou e o curso tinha acabado. D'accord? Cessar. Ça va, très bien. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de longo, da próxima vez eu vou fazer mais curto, hein, gente? Fazer menos frases. Et où aller se rendre compte. D'accord. Très bien. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end aussi. Et à la semaine prochaine. D'accord? Au revoir. Bisous.